Fatiguée, c'est barré, j'en ai marre de tous ces confinements, de tous ces trucs-là. Ah, j'en veux plus. Dirige la atención de tu mente hacia el interior, hacia tu cuerpo. ¿Puedes notar tu cuerpo? ¿Puedes notar las sensaciones físicas que sientes ahora en tu cuerpo? J'ai commencé ma matinée hyper peace. J'étais en train de méditer et tout. Juste simplement parce que ça m'aide à me détendre, à me calmer et tout. Et j'ai pris un peu de thé. Non, c'était vraiment une bonne matinée. Juste là, hier, en fait, j'essaye, pas toujours, je le fais pas toujours, mais j'essaye à chaque nouveau mois, j'essaye de regarder mes finances, ce que j'aurais pu faire mieux. Et en fait, j'ai fait ça hier soir. Je me suis rendu compte en fait que ma banque était en train de me charger pour des frais. Et puis moi j'étais en mode non, il faut que je téléphone la banque. Mais je pouvais pas hier parce que je me suis dit écoute, hier c'est le 2 et c'était un dimanche. Et j'étais comme, c'est sûr qu'ils travaillent, mais genre non, je préfère téléphoner genre lundi. Donc là, je viens de téléphoner la banque et tout. Là, go. Je dis oh, j'aimerais. Le service qui est moins cher et tout. Elle est en mode, ouais, mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre? Parce que je dis, maman, je suis sûre. Je suis sûre. Juste laisse-moi prendre ce qui est moins cher parce que je ne travaille pas pour vous. OK? Je trouve que beaucoup de banques sont comme ça, genre, quand tu mets de l'argent, ils ne t'appellent pas pour te demander, est-ce que tu es sûre que tu veux mettre cet argent ici? Non, ils prennent, non? Mais dès que tu essayes de payer moins ou bien tu essayes d'enlever ton argent, ils commencent à te poser plusieurs questions pour te faire douter. Tu ne peux pas me faire douter sur l'argent que je travaille comme ça, la sueur de mon front. Bye, you can't, you can't. So, cheers to me! C'est de la limonade. Aujourd'hui, ah oui, une autre chose, une autre chose. Avant qu'on parte, une autre chose. Anaïs m'a téléphoné. Enfin, elle ne m'a pas téléphoné. Elle m'a envoyé un message. Oh, regarde les nouvelles et tout. Et puis, dans les nouvelles, ils étaient en train de dire que ouais, c'est genre comme si on est en train de repartir dans un. Comme si on repart en confinement. Genre, la majorité des choses vont refermer. Restaurants, des choses comme ça. Moi, personnellement, j'en ai marre. Donc, si un de ces jours, vous me voyez faire comme ça, peace out à Ottawa, genre je quitte d'ici pendant quelques jours pour aller me détendre ailleurs, s'il vous plaît, ne me jugez pas parce que je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est too much. La situation qu'on a actuelle, vous connaissez déjà avec maman, Covid. J'en veux plus. D'ailleurs, même il y a quelques heures, il y a quelques jours même, je devais seulement dans l'avion en train de partir en Amérique du Sud. Mais avec Omicron, Omicron, Omicron. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Faites pour que les gens puissent vivre, non? C'est quoi? C'est qu'on est fatigué, on est fatigué. Sincèrement, je suis fatiguée. Et cette année, en plus, je me sens beaucoup plus confiante. Genre, j'ai plus l'impression que je me sens plus légère. J'ai un peu plus d'espoir. L'année dernière, j'avais même pas d'espoir. En rentrant dans la nouvelle année, j'étais en mode whatever. Je suis juste surprise qu'en fait, l'année dernière, c'est aussi bien passé. Parce que le début de l'année dernière, c'était comme la moitié, c'était mais la fin, c'était quand même.
So start from the top of your mat. Perfect. There you go. So really focus on putting that weight on that dominant leg, okay? Yeah. So even by just putting that weight on that leg first before you even start moving, keep that upper body tension here by just keeping the nice tight torso. Reverse and really focus on driving through that leg. Okay. All right, let's do it. Nice work. Okay. So I will do this. You were just doing that, so now you're gonna the opposite leg there. Perfect. So right there on your first rep, you weren't first contracted, right? You lost a little bit of balance at the bottom. Yeah. So really focus on keeping tension first, then go into the movement. Okay. Hey, Common. It's me. I've been thinking about you lately. I miss you. Call me back. Good. Last three. Good. Focus on your balance. Control two. Good. One last one. And done. Nice work, Asa. Thank you. How do you feel? Tired. Okay. So I'm going to let you go. We're done. But what I want you to do after we get off the line is for 10 minutes, I want you to stretch. Stretch. Okay. 2 big glasses of water. Okay, I will. Okay, awesome. I'll see you next week then, okay? See you next week. Bye. I am sweating. My eyes are sweating. My skin is sweating. I am sweaty. I'm in sweaty land. Là, je suis au 5 janvier. J'espère que ce vlog n'est pas juste ouin, 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 les mêmes choses que je fais tous les jours. Ouin, ouin, ouin. Mais sinon, ouais, je me porte très, très bien. Je fais du sport les après-midi, les matins. Ça, c'est mes trucs-là que je suis en train de préparer, qui sont en train de faire du bruit. Oh! Ça va? Je suis en train de faire des bruits. À chaque fois que je prépare, il y a quelque chose. À chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours quelque chose. C'est l'histoire de ma life. Donc c'est ça en fait. Je vis une vie assez banale. Je travaille. Je prends des réunions. J'ai des réunions. Aussi, je mange. Je fais du sport. Hier, vous avez pu voir que je faisais du sport avec ma coach. Et ça s'est hyper bien passé. J'ai sué comme jamais, franchement. It was really like, just like drenched in sweat. Quoi d'autre? Mm-mm.
Mettre ma vidéo. Yes, please. I would like to see everyone's face. J'ai même pas le droit ici de. We were doing the research together because she's building websites as well, and so she told me about those like After she finished to describe the pages and everything, what would you work on? What would I work on? Yeah. What do you mean by that? So you say do two things. One, create a Wix account, and then list all of the pages that you want in the website and describe each page. So after she does like all of this process, what is your intervention in the process? So then what happened is we're going to take all those pages and, you know, use that to analyze and see, okay. Open your legs as wide as you can. You can always start with a narrow angle, soften your knees. It is easier for you to lengthen the spine. Now I want you to inhale and try to bring your knees as low as you can, close to the mat.